Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gaming King. Et on se retrouve aujourd'hui les gens pour Paper Mario The Origami King. Épisode 9. Donc et on est refait du jeu. À mettre un maximum de pouces. On est refait du jeu. Il faut nous suivre sur les réseaux sociaux, avec TikTok et ouais, tout. Ouais, Instagram, Twitter c'est cool. Et tout. On n'est pas trop actifs en ce moment, mais non, mais ça reviendra, voilà. Vous inquiétez pas. Et donc, nous étions rendus sur le bateau de la princesse Peach, qui s'appelait la princesse... Prends l'ascenseur. Oui, je prends l'ascenseur. Ah, il y a un trou. On n'a pas eu. Ah, bah voilà. Tu vois, donc je suis allée là. Non, c'est toi qui l'as pas vu. Non, c'est toi. C'est toi qui as joué la dernière fois, donc c'est toi qui l'as pas vu. En fait, c'est Kim qui joue tout le temps et après, Oui, bien sûr. Examiné. Et ça a pas marché, forcément. Si. Franchement, ça a pas marché, moi. Ou alors, on va voir des monstres. On va voir. Est-ce que l'ascenseur descend? Non, ne me dis pas que l'ascenseur ne marche pas. Et en fait, il fallait quand même tester. Je me demande s'il n'y aurait pas comme une sorte de coupure de courant généralisée. Là, il faut aller à gauche. Et l'obscurité ambiante ne fait que confirmer mes soupçons. Voyons voir où produit-on du courant sur un bateau. Tu as une idée sur les machines. À gauche, du coup. Bah, je dirais pas à gauche, mais en tout cas, c'est là où on peut aller, donc. Je sens le piège. Je sais pourquoi, mais tu penses le piège. On n'a pas eu assez de combats dans Shogunland. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de combats. En tout cas, il faut me dire, ça vous fait toujours plaisir. Si ça vous fait toujours plaisir. Voilà, il y a des gars, Maristi. C'était pourtant un salon magnifique à l'origine, on voyait l'océan en entier depuis cette fenêtre. Il y a un Toad. Toad. Bah, c'est bon, je l'ai vu. Toad. Tap. Arrête. Non, mais tape d'en bas. Non, non, mais monte sur le comptoir. Hop. Voilà, c'est du violet. Donc, eux, c'est les employés. Il y a un truc qui me vient de taper contre la fenêtre. Je pense qu'il est rose. Il est pas violet, mais comme il fait son, on a vraiment qu'il est. Parce que c'est Peach en fait. Bah, c'est Peach. Non, mais ils sont violets ceux-là, non? Ah bon? Je sais pas. Voilà, c'est magnifique. Oh non. Tranquille. Voilà. En plus, t'as récupéré des confettis. Hein. Voilà, très bien. Des pièces. Alors, on récupère des confettis. Essaye de sauter là. Tu peux pas. Je peux pas. Comment je récupère le cœur? Faut péter la vitre et passer par la vitre? Ah, peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Donc là, bah là, y a rien en fait. Là, il y a un truc là. Tu penses qu'au niveau des bouquins. Non. Ah non, mais faut passer par la fenêtre. Je pense qu'il faut que tu pètes la fenêtre. Ah oui. Faut que tu sortes. Ouais. Comment je fais? C'est peut-être un bloc caché. Ah, mais attends, il n'y a pas un truc là? Ah non, c'est. Un bloc caché? Ouais. Ah, il fallait détruire. Ok. Tac. Et pouf! Pas mal. Et on sort. Et il y a un point de sauvegarde. Donc ça, c'est très bien. Très bien. Là, il n'y a rien. Non. Là, il n'y a rien. On continue. Donc là, il y a un truc. Ça, c'est pour rentrer. Ça, les machines. Ça, les machines? Entrée du personnel, ouais, c'est interdit. Je suis pas sûr que t'aurais pu ouvrir le truc de toute façon. Ouais, tu penses? Je sais pas, bon, pas, ouais, on verra, on verra. Alors là, il y a un Toad. Il y a un masque. Mais il y a un masque aussi. Oh! C'est très bien. Marteau chatoyant. C'est encore plus puissant que le modèle brillant. Ça va être méga puissant. Moi, j'aurais dû te descendre. Mais après. Non, mais il va tuer le masque déjà. Ah, il est pas là. C'est derrière le panneau, examiner le panneau. Non, c'est les étages. Alors, on est ici. Il y a forcément un générateur quelque part à bord. Ça a des machines, donc faut que tu descendes. Ouais, faut que je descende. Descends, de toute façon, on ira après. De toute façon, au bout d'un moment, je pense que le bateau il sera tout rénové et du coup, là, tu pourras explorer tranquille. Alors. Il y a un cœur qui brille. 5 heures. Non, mais je suis full, donc ça sert à que je prenne. Ouais, à moins que ça soit un cœur qui donne plus de vie. Non, non. Là, il y a un trou, donc on va réparer. Fais gaffe. Sauvez le petit Toad, on a vaincu tous les ennemis. Ah ouais, on vous faisait appeler. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu ça qui est chiant dans le jeu, c'est. T'as un moment où il y a du meublage. À limite, ce serait des nouveaux boss ou des nouveaux monstres. Mais j'ai peur d'en avoir là. Non, je pense pas. J'esquive les lumières. On va en faire 3-4, donc je pense pas. J'esquive les lumières, on sait jamais. Mais c'est vrai que ces phases-là, c'est comme le monde d'avant. Bah, c'est pour ça que le monde d'avant, on avait bien aimé, parce qu'on avait pas tant que ça. Ouais. Donc là, c'est pour ça qu'on vous cut, parce que c'est chiant. Ouais, voilà. C'est pas très intéressant, c'est pas du tout l'histoire, ça fait pas gagner de niveau, ça fait pas gagner de c'est long pour rien. À limite, on looterait des armes, on monterait de niveau, je dirais, c'est vrai qu'on va pas tout couper, mais. Là, en vrai. C'est juste des combats en boucle pour gagner des pièces. C'est ça. Puis en plus, les sniff-niff là, c'est les pires. Hein. Allez. Donc là, il y a. Espérons que ça passe à tout le monde. Là, faut le générateur. C'est louche tout ça. Si tu veux mon avis, ce trou n'est pas là par hasard. Une seconde, est-ce que ça voudrait dire que. Oh non. Ah, des nouveaux monstres, tu vois, Des origariens, vu que je leur ai parlé. Non, des nouveaux monstres, moi, des nouveaux monstres. Trop tard pour vous replier, bande de lâches, vous finirez en boulette dans la corbeille à papier. Ouais, il dit ça, il fait rien, lui. Ouais, montre-leur, Super M. Ouais, voilà, il se cache derrière. Cours la barbeille. Alors.
Donc ça, c'est les araignées. Il y en aura deux vagues, du coup. Tu peux que sauter normalement, je pense. Tu penses? Tu peux pas taper avec le... T'as juste à te retourner, non? Ah non, ouais, d'accord. Donc il faut... Il faut les mettre côte-côte. Bah si, c'est bon. Oui. Non, c'est pas bon, je pense pas. Tu penses pas? Non. C'est celui-là qu'il faut inverser. Ah oui. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Ah, c'est un gros qu'il faut inverser. J'en sais rien. Bah ouais. Ça, et si tu les mets... Ah oui, mais non, parce que si tu les mets devant, tu... T'as trois déplacements, là. Ouais, mais du coup, tu peux rapprocher, mais ils seront pas côte-côte, les autres. T'as plus de trucs. Je cherche. Oh là 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 là. Ouais, c'est chaud, hein. Ouais. Alors, attends, si t'avances ça... Bah c'est bon, hein. Ah non. Oh là 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 là. Ouais, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut juste trouver, en fait. C'est ça. On peut fuir les combats, mais on peut pas fuir, en fait. Ça dépend lesquels. Ah bah si, c'est bon. Et l'autre, si, c'est bon, vas-y. Et celui-là? Non. Ça, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Wouh, on a réussi, hein, c'est ouais, bon. C'est pas difficile, mais il faut juste trouver le truc. Compas dans l'œil, on va dire. Alors. J'espère que c'est pas trop dit, s'il te plaît. Je pensais bah, déjà, déjà qu'il y a des vagues. Excellent, c'est bien. Ouais, on va avoir de la vie. Ouais, je vais le finir. Tu l'as fini? Ouais, et puis je vais faire le... En fait, le problème, c'est que j'ai pas de marteau bien. Ah, t'as les marteaux brillants? Ah oui, il tape en ligne. Ouais, il tape en ligne. En fait, les marteaux brillants, ils font comme ça. Bah, il faut... Ah oui, d'accord. C'est rebondisse. Donc là, il faut que je fasse ça avec les bottes. Il faut que tu mettes le marteau que t'as eu, là, en fait. Bah ouais, mais non, parce qu'il doit être méga puissant. Faut le garder pour les boss. Ouais. Ah, c'est dommage parce que c'est pas de beaucoup, hein. Bah si. Bah 24 et tu faisais du 20. Ah oui, oui, exact. J'ai fait 22. Non, ouais. J'ai fait 22. 22, donc c'est... Ah non, 24. Bah non, 24. Bah non, 23 points de vie, c'est une blague. 23 points de vie, donc ouais, plus que... Ouais, je pense que c'est fait exprès pour pas que tu fasses trop rapide. Ouais. Ça sera une autre vague après, donc... Bah je fais les combats parce que du coup, je suis... Ouais, Guillaume, il est plus à l'aise avec les combats. Ouais, voilà. J'ai un peu plus formé les combats. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je fais. Que ce soit en vidéo, hors vidéo... Ah, bah là, on vous montre parce que voilà, c'est... C'est un nouveau, nouveau monstre. C'est un nouveau monstre. Pas le monstre le plus ouf, mais c'est un nouveau monstre. Donc... Bah, là, t'as juste à tourner. Ben Le modèle plus puissant, plus logique, les bottes, celui-là il n'y a pas été. De faire standard. Est-ce que c'est plus puissant de ouf? Ah oui, quand même. Oui. C'est mieux. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Et du coup, le marteau. Faut m'acheter un marteau. Ouais. Allez, one shot là, parfait de ouf là. Ouais, c'est vrai que. Faudrait pouvoir améliorer le. 22, mais. Ah, ils ont même pas fait de dégâts à eux? Non. C'est dommage qu'il fasse pas des dégâts en zone du coup, lui. Bah, il serait trop fort. Oui, il serait trop fort. Moi, je me serais dit qu'on avait changé de compagnon. Bah, déjà, t'as plus Olivia. Mais non, mais je pensais qu'il allait partir justement derrière la vidéo et qu'il allait dire, bah voilà, du coup, on va trouver un autre et. Et du coup, il aurait été remplacé par, je sais pas, un. Bah, je sais pas, par un Koopa, par un Goomba. Ouais, voilà, c'est ça. Par un Koopa. Un Koopa. Vas-y, si tu peux. Donc là, c'est là, ça nous permet en fait de récupérer un mort de. Yes. De cotillon. Ah oui, moi, on en avait plein. Donc là, tu as vu sur le bouton là, je pense. Examiner. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce petit trou là? Oh. Non, le dernier. Je crois que ça rentre. Super M. Je crois pas que ça rentre. Ah oui. Vas-y, on fait. Attends. Tu insères le levier de démarrage et tu tournes et tu tournes. Il nous faut le levier de démarrage. Il fallait monter. Déjà, va au fond pour voir. Ouais, y a un truc au fond. Hein. Ouais. Va à gauche. À gauche ou gauche, tu vas à droite. Je vois pas ce que c'est en fait, on voit rien. Je vois pas. En fait, il y a une porte là. Y a rien. Ok. Ouais. Donc, à la recherche du levier de démarrage. Je sauvegarde. Ouais, je sauvegarde pour éviter de refaire les petites araignées là. Tu vas remonter du coup. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a un des monstres qui a le levier. Ouais, c'est ça. À moins qu'il puisse tomber Ça se trouve, c'est pas le monstre, c'est le boss quoi. Ouais. S'il y a un boss? Ah non, pas un boss, je pense pas. Tu penses? Parce qu'ils disent, ouais, quelle horreur, qu'est-ce que j'ai vu et tout. Depuis tout à l'heure, ils disent ça. Hein. Donc, je sais pas. Je sais pas. Donc là, on monte.
On monte, on monte, on monte, et on va regrimper l'escalier qui était à gauche. Donc le levier, c'est triste. Je pense que ça va être un groupe de monstres qui va l'avoir, qui va jouer avec. Tu penses ? Bah oui, il y a deux zones, donc... Donc là, je sais pas où il est, le toad. Ah, j'ai pas tapé... Si, mais... Ah bah, il est là. Ah bah... j'ai marché sur un truc. Je crois que les toads, ils sont en dépression dans ce bateau. Ah non, c'est quand même avec l'image, plus j'ai peur. Il est inconscient, une grosse frayeur, sans doute. Ah, ils sont tous inconscients. Ouais, ils sont tous inconscients. Okay. Ils sont tous inconscients parce qu'ils ont vu quelque chose, justement. À gauche ou à droite? Bah, partout, hein. Ok, on commence à gauche. Faut chercher. On cherche le levier pour le bateau. Oh, oh, c'est mignon. Et il y a un coffre. D'accord. Quoi? Allez, tu fais un bonbon ou pas un bonbon? Bah, combat. Spike. Contre des spikes? Première fois qu'il y a un spike, non? Ouais, mais c'est un spike en papier. Ah non, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, je crois. Ok. Ok. Donc, ça, c'est Guillaume, c'est le rôle de Guillaume. Let's go. Ça, c'est... Là, c'est facile, hein? Non, non. Mais non! Quand même! T'as juste à avancer les spikes? Oui, juste à avancer. Et après, faire ça. Ouais, je fais une kim. Là, c'était facile. C'est un niveau kim. Alors, combien ils ont de vie, les petits spikes? Ben, je pense qu'ils ont pas mal. Je pense qu'ils ont pas mal aussi, ouais. Et t'as toujours pas le marteau. Bah, ben non, mais parce que je pense qu'il est trop fort, donc je vais pas l'utiliser pour rien. Ça sert à rien pour des combats comme ça. On va voir ce que ça veut. Allez, petit spike. Sois pas méchant. Bah, ben, ça va être plus de 20. Hein. Ouais, ça va être plus de 20, c'est ils sont même. Ils sont même pas pliés. Bon, c'est peut-être 30, peut-être 30, peut-être 30. Ils vont sortir quoi même? Il va sauter. 15, ça fait mal. Un peu. Bon, ils attaquent. Bah, bah tu les laisses comme ça, hein. Ah non, mais je peux pas jouer. S'ils sont déjà en place, ah oui, s'ils sont déjà en place, tu peux pas jouer, ok. Ok. Donc là, c'est bon. Hop là. Ouais, Guillaume, c'est le roi du... Bah non, mais comme ça, c'est plus rapide. Attends, si c'est Kim qui fait, c'est très drôle. Un coffre. Coffre, 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 coffre. Oui, coffre. Ouvrir, alors qu'est-ce que c'est? Le bateau. Ah, maintenant le bateau il sera en bas. Une étoile. Ah, une étoile, c'est joli. Ouais. Elles sont pas, ils sont pas droits les quatre, tu penses que ça veut dire quelque chose? Non. Non, ok. On va voir en bas. Je vais voir en bas. Ah là, là, ça. Ah bah le levier. Examiner. Le levier, voilà. Ah bah direct. Dans la timonerie du Princess Peach. C'est trop rapide. Un levier, à quoi sert-il à ton avis? Je me demande. Bah oui, mais le problème c'est qu'en fait. On aurait dû aller là-haut. Non, ils ont pas prévu les dialogues si t'as déjà fait les choses. Ah oui. Mais à chaque fois ça fait ça. Dans tout le jeu. Est-ce que je vais quand même voir? Oui, là. Oui, bah oui. Ils ont pas prévu les. Ah, c'est fermé, d'accord. Voilà. Donc, il y a un truc qui retient la porte de l'autre côté. Donc c'était facile. Donc voilà, c'était facile. J'ai peur que de mal. Mais ah, ils ont pas prévu du les dialogues si jamais t'allais trop vite. C'est ça. Un peu comme. Bah là, c'est pas trop vite, c'est. Tu vas à droite, c'est plutôt à gauche en fait. Oui. Par exemple, quand on avait fouillé tout Audi, dès qu'après nous disait ah bah oui, il y a quelqu'un qui a quelque chose de bizarre. Et en fait, tu parles au mec, il a rien, et en fait, t'es obligé d'y retourner. C'est et ça, tu fais ah oui, mais ça. En fait, il y a quelque chose maintenant. Ouais. Ok. On déclenche pas dans le bon sens. On est trop hâtif. Enfin, on est trop fort en fait. Ouais, on est trop fort. Bah non, c'est juste qu'en fait, on est à droite au lieu d'à gauche. Pourtant, on est présent dans le jeu donc. Non, c'est veut dire origami qui... Non, mais c'est de l'ironie du second degré. Second degré, tu n'es plus. Mais du coup, on est full au niveau de ce qu'on a là. C'est bizarre, ouais. Je me demande. Le levier s'insère parfaitement. Du coup, c'est bon, ça y est. Bah non, parce qu'il disait qu'il fallait. Voilà. Vas-y, allez. Et tourner. Ah, ça fait le bruit dans la manette. C'est bon, c'est joli quand même. Ouais, hein. Ça y est, c'est donc on peut reprendre l'ascenseur. Enfin, j'imagine que tu étais au courant, jeu de mots. Ah, 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 ah. Je crois que c'est des blagues niveau Kim, ça aussi. Ouais, ça c'est. J'aurais pu le faire. Mince. Ah, non, les cotillons. Ah, et du coup. Non, c'est juste qu'en fait, il manque un escalier, l'escalier est pété en fait. Ouais, il manque un truc là. Hein. Ouais. Bizarre, vous avez dit bizarre. Oula, quelle secousse. Ne me dis pas que Titanic, ça sent pas bon. Super M. Dépêchons-nous de passer à la cabine VIP. On chope et ce qu'on est venu chercher et on décampe de ce bateau en vitesse. Mais ouais, mais comment il peut savoir qu'on va trouver un truc ici? Bah parce qu'il était dessus. Ah oui, il était dessus, c'est vrai. Bon bah désolé Toad, on t'a pas trouvé. Non mais je pense qu'on pourra retourner quand tout ça. Ah oui, et puis il y a un trou en dessous là. Oh. Ah, il y a vraiment un boss. Oh. Voilà. Du liquide noir et poisseux. Ah oui, c'est le Kraken, c'est une blague déjà. Pourquoi déjà?
Bah je sais pas, je trouve qu'il y a... Enfin, un combat, ça y va des fois. Ok, bah vas-y, monte. Ouais, on grimpe, on grimpe. On craque en origami. Pétrole, moi. Bah t'es encore moi de jouer, alors. Ah, non, voilà, moi je sais rien. Bah le trou, il a paru. Ah oui, non, c'est qu'on voyait pas, la lumière s'allumait. Ah. Et ouais. Donc, ressort. Hein. Non, non, monte pas ah, par oui, là. Ah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Je vais prendre l'ascenseur pour aller dans la cabine VIP. C'est d'ouvrir quand même, là, on sait jamais. Je pense que ça va être fermé, mais... Ah non. Pour la vue. Non ? Mais qu'est-ce que c'est ? Oui, 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 évidemment. Tu sais, Super M, les gens en savent souvent très peu sur nous, les bobombes. Notre espérance de vie, par contre, est genre réduite quand on y réfléchit. Ça fait pour ça qu'on profite de la vie autant qu'on peut avant le grand final. Tu penses qu'il va dead ? T'y vas. Mais toi, tu connais ça, tu risques gros à chaque fois que tu te frottes à ses oreilles guerriers. Tu sais, Perturion, il était dead. Hein. Ouais. Voilà que je te fais des grands discours, oublie continue ça. Continue à chercher, vas-y, continue à chercher, les petits. Bon, c'était juste pour ça. Enfin, juste. Ah bah non, t'es tombé. Ah si, tu... Ah oui mais attends, mais là, là, non, c'était là le trou, tu peux pas remonter dedans. Ah oui, en fait, tu peux pas revenir en arrière, d'accord. Okay. Même, je voyais un détritus. Oh là 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 là, ne suis pas. Ok, ok, ok. Le sens de l'orientation avec Guillaume, ça fait 10. C'est bon, ça fonctionne vite, montons l'ascenseur. L'ascenseur, l'ascenseur. Mais est-ce que Peach va être là? Bah non, je pense pas. Si? On a vu. Donc ça, c'est le club de VIP. Oh non, il est déjà tout proche. C'est la porte de la cabine VIP à l'intérieur, vite! Bah attends, il y a fait quand même. Un cadeau. Botte déformante. Ah non. Je croyais que c'était un... Ouais, activez-les. Vas-y, allez. Dans le... Plus. Ouais, tu vas dans les armes. Voilà, et tu mets les bottes de fer. Non, non, non. Non, non, botte de fer brillante. Ah oui. Voilà. Et du coup, le marteau chatoyant, il est méga simé. Je pense qu'on l'utilisera. Ouais, il donc pensait... Le bah attends, non, mais... Ouais, tu ouais, veux le mettre ouais, mets-le, mets-le. Ok. Mets-le à la place de 1-9. Voilà, celui-là. Voilà. Comme ça. Allez. On peut pas non plus. Ok, c'est bloqué, donc faut aller dans là-bas. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Ah, il y a un toad, je sais pas où il est. Bah, il va être il dans est sous, sous le truc. Oh, il y a un code. C'est ça, c'est quand même dans ce coffre jaune. Le coffre. Mais oui, mais il y a un code. Je l'avais laissé en sécurité, voyons voir le code. Le code a réfléchi, bobombe, réfléchi. Et en fait, on va tester la capacité qu'on va gagner, je pense. Tu penses? Ah. Ah, c'est pas mal. C'est un boss différent, je pense. Rends-moi ça, tu ouais, c'est comme les mecs, oui, les machos, machos ouais. C'est pas un boss, ça m'étonnerait qu'il y ait un boss. Il faut absolument qu'on récupère ce coffre. Je te parie que ce monstre est à l'avant du navire. Mettons-nous à sa poursuite. Pourquoi les pirates ont je sais pas. Tape ça, là. Ok. Y'a rien... Y'a rien. De toute façon, tu en exploreras quand ils auront tout oui, nettoyé, oui, je oui, pense. Oui. Oh là là là, il est pas content. Là, faut que t'ailles en bas à gauche. En bas, du coup, là où on a eu le. Non, non, non. En bas à gauche. À l'avant du navire. Ah oui. Allez, la Toad. Pauvre Toad. On voit plus. Au secours, arrête, c'est Guignard, j'ai une hublot, je l'ai pris en pleine face. Ça ne partira jamais là-bas, je vais à la mer. Tape. Boss, enfin, un monstre. Passation de manette. Ça suffira pas, je pense, mais bon. Oh lolololololol. Aïe aïe aïe. Oh lolololol. Aïe 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 aïe. Ouais. On va exposer les ennemis. Ah oui, exact, pas mal. Ah oui, ouais. Pas évident. Ouais, tu vas l'air c'est pas évident, c'est pas évident. Bien joué, Toddy. Là, ce qui est cool, c'est qu'on a les bottes de fer, donc on va pouvoir les utiliser pour tous les one-shots, donc ça va être facile. Y'a pas de vague, hein. Non. 29, 29, 29, 29. Ouais, ça passe. Ah, je pensais que Guillaume, il allait dire un truc. De quoi? Bah, pour le 29. Bah, c'est le meilleur jour. C'est le mois de juin. 9-06. 29 juin. On représente. RPZ. Allez. Oh là 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 là. Ah, mais oui, il bloquait. Il faut qu'on remonte. Il faut ah, c'est lui qui bloquait. Faut qu'on retourne à l'avant dehors, je dirais. Ouais.
parce qu'on va rien voir dans le hublot. Donc là où il y a la cinématique où il disait ouais, tu te souviens, blablabla. Tu te souviens? Je me souviens. Ouais, voilà, sauvegarde. Je sauvegarde, t'inquiète. Sauvegarde. Sauvegarde vite. Je pense que ça va être un truc plus fun, j'espère. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Oh, il... oh, mais ouais. C'est. Bloops. C'est le boss de. Super Mario Sunshine. Ouais. Voilà, c'est l'horrible boss Bloops qui m'a envoyé valser. Ah, le monstre, Félix, ça fait Super M, Mademoiselle Olivia compte sur nous. C'est pas mal. Il va taper là où il y a la zone. Okay. Merci, quand même. Saute, s'il te plaît, saute la vague. Voilà. Il va taper là. Oui. Saute à l'intérieur, il va le taper. Voilà. Il va taper là. Saute, il va le taper. Voilà. Perfecto. C'est pas mal, franchement. C'est pas mal, ouais. Franchement, pas de RPG. C'est assez marrant. Saute, tape, et re-saute. Ah, saute. Ah, trop tard. Hein. Moi, j'ai pas pris de dégâts. De la vie. Donc ça va, c'est pas compliqué. Pas content. Pas content. Ah, ça va te ralentir. Ouais. Ça y est, elle va pas la taper, pas aller dedans. Ah oh, mince. Aïe. Ouh. Bien joué. Ouais, pour 10 pièces, c'est pas grave. Ouais. Bien joué. Ouh. Il a plus de Il a presque 8 pièces. comme Gobo. D'ailleurs, vas-y. Faut taper son œil. Franchement. Le jeu s'est grave amélioré. Hein. C'est... Ah. Enfin, moi je reste toujours sur mon avis de début. Hein. Il a le tourni. T'es d'accord avec moi? Ah ouais, franchement, là le boss est super bien. Bah, surtout pour tous ceux qui sont pas fans de RPG. Voilà, du coup, de pouvoir juste taper comme ça. Ouais. Il va tourner. Il va avoir le tourni. Ah mince. Quand un peu. Toi, les trucs qui sont. Comme toi, par exemple, tu es moins fan de RPG parce que du coup. Si, j'aime les tours par tour, mais. Ouais, c'est plus. Enfin, en tout cas, là, leur phase de. C'est plus stratégique, mais là, du coup, c'est plus bourrin, donc c'est pas mal. Ça permet justement de pas se. Fais gaffe, ça tourne. Tant qu'il clignote, c'est mort. Vas-y. Voilà, très bien. Voilà. Et même Kim, elle y arrive. Même Kim, elle a réussi à faire un boss. Vous vous rendez compte, quand même? Avec le skill. Oh, il y a le capitaine. Trop mignon, bah il y aura pas Peach. Bah oui. Ce Peach s'est fait enlever. Bah oui. Super M! Tu as été happy à temps. Je savais que tu allais en faire des confettis. Et le coffre-fort a l'air d'avoir tenu le coup, heureusement, bien que je tape le socle secret. Et voilà la boîte. Dans la boîte permet de sauver ma Mlle Olivia. Merci à toi, Moustachu, Moussaillon. Je suis le capitaine du Princess Peach Tutut. Tutulu! Tête. Quelle sombre heure nous avons passé prisonniers des entrailles poisseuses de ce monstre. Pourtant, pas une fois n'ai-je éclaté en sanglots pathétiques. Ah, sûrement pas, tu penses. Quant aux passagers, ils ont été évacués par les canaux de sauvetage pour préserver la satisfaction client. Ouf! Alors tout le monde est sain et sauf, tant mieux. C'est beau. Dans ce cas, retournons vite au Val-au-Vent pour tirer Mlle Olivia de cette situation critique. Bah, voilà, t'es fou, là. Ouais, je suis fou, là. Merci. Dans ce cas-là, tu peux sauvegarder? Ouais. Est-ce que tu... Bah non, ce sera pas rénové encore. Je pense qu'il faut attendre. Tu penses? Bah vas-y, appuie sur Start. Regarde carte. Carte! Ah, j'ai Il manque un Toad. Ouais, bah c'est celui qu'on n'a pas vu dans la salle des machines. Ouais, et mini trésor, donc faudra Bah c'est celui de la machine de la salle des machines, là. Non, il est sauvé. Non, celui qui est en bas, oui, c'est au sacrifice. Ouais. Oui, j'ai pas réussi, là. Mario, tut. J'ai envie de dire ça. On aimerait récupérer les passagers qui ont quitté le navire en canot, mais impossible de lancer des recherches à cause du brouillard. Si tu constates que la voie est libre, veux-tu bien revenir m'en informer, ce serait sympatoche. Donc en fait, il faut en revenir plus tard. Ouais, faut en revenir pour aller chercher les passagers quand il n'y aura plus de brouillard. Ce qui est bizarre, c'est que je pouvais prendre la mer,
avant du coup la fin de Shogun Land, est-ce que du coup j'aurais pu aller chercher ça avant? C'est Tu bien vas voir, on va possible. sur le ruban pour voir. Là-bas les poissons, juste pour voir. C'est sous l'eau. C'est sous l'eau. Ah bah c'est le brouillard. Ah non, c'est le brouillard, ouais, ça continue. Bah va pas tant, va pas tant, va pas tant. Waouh, stop! Donc en fait, Ok, on bah pourra alors. repasser. Quelle purée de pois, on n'y Non, voit pas il le faut bout de connaître son par cœur nez. un C'est truc. de la folie pure que de s'aventurer dans un coton Ah pareil non, faisant ok. demi-tour avant de... Ah, enfer et coquille noire, Ok, si on avait carte une carte marine. marine, on pourrait naviguer dans cette bouille. D'ailleurs, puisqu'on en parle de cartes, vous connaissez la légende du Capitaine Toad. Il s'agirait d'un marin légendaire qui aurait détenu une carte marine mythique pour naviguer. Bien sûr, ce n'est que du folklore, le genre d'histoire qu'on raconte pour se rendre intéressant. Cela dit, une carte marine de ce genre ne serait pas de trop pour se diriger dans cette purée de pois. Ok, donc on sait ce qu'on devrait faire. Voilà, on va aller chercher une carte marine après. Après avoir fait le ruban, Voilà, après le avoir ruban sauvé jaune. le ruban jaune, voilà ça. Enfin, orange jaune. Bon, on est retourné! De toute Yes! façon, il suffit d'appuyer sur B. En fait, on a tourné, en fait, il suffit d'appuyer sur B. Voilà, Voilà, c'est c'était ça. pas compliqué. Donc, tu peux reprendre le tuyau. Qui nous dirigera vers bah, là où on était, Shogun le Land, Shogun déjà. Land. Shogun Land. Et puis après, du coup, reprendre le canotier pour se diriger vers le désert. Parce Voilà. qu'on n'a pas encore le truc du désert. Hein. C'est ça. Bah oui, on l'a pas débloqué. Oui. On n'a pas débloqué, et donc on se demande d'ailleurs ce qu'il y a dans sa petite boîte à la petite bobombe. Bah, un feu d'artifice, Un son truc qui frère, explose, son des frère. bombes, Un détonateur? un détonateur du coup à sacrifier? Ouais. Non. Non. Deux. Bah oui, je sais. Non, mais deux. Deux? Donc il y a un 6, mais le 6 c'est le monde de fin, je crois. Ça, c'est le monde où C'est on le va battre le château boss? de Peach, Le château de peut-être. Peach, ouais, ça va être ça. Ou château de Bowser, ou le château de Bah, Luigi, ou château le de château Peach. de. D'ailleurs, Bowser, c'est dommage parce que du coup, on ne le revoit pas du tout. Moi j'ai Enfin, tout pour spoil en l'instant. image, à un Oui, on le moment, revoit, ouais, je je pense, pense qu'on mais. le revoit, et à un moment on voit Château de Poseur, donc je pense qu'on le revoit. Mais du coup, je sais pas quand. Bah, on verra bien. Et donc là, Bah, du si j'ai coup. pas volontaire, je me spoil, parce que du coup je fais les miniatures, les gens les chargent les images Sur pour faire nos Internet. miniatures, et du coup, bah, je vois tout. Et moi, je vois rien parce que je fais que le montage. Que le montage. Que le montage, excusez-moi, du peu. Alors, Ah! nous voilà au val au vent. Fin de la ligne. Gaffe à ne pas oublier vos affaires en sortant de la barque. Alors, qu'est-ce Voilà, qu'il va falloir c'est faire? bon. Non, Attends, non, mais tu t'as l'as déjà déjà fait fait la ça? dernière Oui, fois. oui. C'est des Non, c'est toi qui croquettes. l'as fait. C'est pour ça que j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il y a dans cette sale petite boîte? On va voir. Allez, bobombe. Qu'est-ce que tu nous mijotes là? Super Super M. M. Merci de Merci m'avoir d'avoir fait fait confiance. confiance. Oh non, c'est vrai? Désolé d'avoir aussi longtemps gardé Est-ce pour que moi contient ce ma qui s'est boîte? passé sur les gars, ce qui contient ma bête. Et Les toi, temps que je je te te raconte. raconte. Oh. Oh! Oh! À l'époque, je voyageais au bord du Princess Peach avec mes potes. On était tous cotisés pour se payer une cabine VIP et je ne vais pas te mentir, c'était franchement l'éclate. Oh, tous les bonbons! Mais alors que tout se passait comme dans un rêve, un blues monstrueux a attaqué le navire. Et à tout, on a tout fait pour le repousser, mais on ne faisait pas le poids. Et il a perdu sa mèche. C'est au cours de ce combat que je suis Oh passée par-dessus non! bord et que j'ai perdu ma Dans mèche. sa boîte, c'est sa mèche. Parce Alors que j'ai j'ai repris repris une conscience, connaissance, je je me me suis retrouve retrouvée à à toute toute ville ville sans sans rien en mèche, sans mèche. souvenir, sans rien. C'est trop mignon! C'est trop mignon! Regarde dehors avec le petit mouchoir! Et c'est alors que j'ai pris la route pour Ça tenter de te me souvenir et revenir. de retrouver tout ce que j'avais perdu. Peu après, ma route a croisé la vôtre, et lorsque nous avons vu le feu d'artifice à Shogun Land, c'est là que tout m'est revenu d'un coup. Le blues, mes copains, ma mèche, boum, Boum, tout tout était était là. là. Je suis vraiment heureux d'avoir retrouvé la mémoire, de pouvoir renouer avec qui je suis. Et puis dans les souvenirs, j'ai trouvé un moyen de sauver Olivia. Comme je te l'ai déjà dit, j'ai connu et perdu beaucoup de potes dans ma vie. Mais le meilleur d'entre tous, je l'ai perdu il y a longtemps dans un tragique accident. Il s'appelait Bobombe, oui, lui aussi. Si Olivia entendait ça, ça la rendrait folle. Bref, j'ai voulu garder sa mèche sur moi pour honorer sa mémoire jusqu'à ce que je perde la mienne. Et elle est restée là où je l'avais laissée, dans la La cabine cabine VIP VIP de du Princess Princess Peach. Peach. Oh Oh non! non! Si j'avais sauvé votre ami, alors j'aurais reçu ma vie de bobombe. Ne t'en fais pas, c'est notre nature de chercher le coup d'éclat et de rien y faire. Super M, je. Ça a été l'éclat de voyager avec vous. Désolé d'avoir fouillé comme ça. C'est l'émotion. Merci pour la mèche, mon pote. Et merci à toi, Mario, merci pour tout.
c'est horrible. C'est horrible. Non, c'est horrible. C'est juste méchant. Horrible. Ils sont méchants dans le jeu. Oh non. Mais c'est trop triste. C'est mon personnage préféré. Moi aussi. C'est oh non, c'est triste. Horrible. Je suis choquée là. Je vais pleurer les gens. Bah non, mais c'est trop triste. C'est méga triste. En plus, il utilise la mèche de son pote et mais tout. Mais oui, c'est trop triste, j'ai perdu tant d'amis dans ma vie. Genre, mais... C'est horrible. Oh, le coup de poignard. En plus, on a rigolé avec la blague et tout, tu sais. En vrai, c'était pas une blague, en fait. En fait, nous, on était trop en mode drôle et tout. Mais c'était pas une blague, il voulait vraiment se sacrifier, mais en oui. fait. C'est trop triste. C'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est ouais. C'est vraiment pas drôle. C'est méchant, vraiment pas méchant drôle. Jeu. Bah, méchant nul. Jeu. C'est vraiment nul comme jeu. Pour par en contre... plus avoir Olivia. Mais c'est horrible. C'est horrible. Elle va dire quoi? Mais c'est horrible. Mais c'est horrible, les gens. Mais non, mais il est encore là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as sauvé, Mario. Merci, merci, merci. J'ignorais que c'était si désagréable de ta bâtisse. C'est horrible. Guillaume, il va pleurer. Non, mais c'est horrible. Non, mais c'est horrible. Mignon, mais c'est horrible. Que d'émotions, que de rebondissements! Il n'en reste que des confettis. Le rocher n'est plus là, il n'en reste que des confettis. Comment t'as réussi à faire ça? T'as mis la main sur un nouveau modèle de marteau dynamiteur. Un coup bien placé et hop, plus de rocher, boum! Une seconde. Et Bobby, il se cache ou quoi? Je ne le vois nulle part. C'est atroce! C'est atroce! Non mais il va être là. Ne me dis pas qu'il a... Cette détonation et le rocher qui s'est volatilisé. Non, mais c'était pas une blague, il n'y avait pas de second degré, quoi. Mais c'était... non. C'est impossible. Bah, c'est méchant. Ça, c'est méchant comme jeu. Pire jeu. Alors. Mais genre, c'est gratuit, quoi. C'est gratuit, non, c'est mais c'est trop triste. C'est genre, il sacrifie et on apprend justement le personnage. Ouais, en et fait, tu commences à ouais, faire ouais, d'avoir la compassion pour te dire, tiens, non, en fait, crève. Et c'est un gentil. C'est un gentil. Bah, ça alors, encore un touriste, c'est vraiment rare qu'autant de monde vienne visiter notre trou. D'abord, il y a eu cette drôle d'abeille qui avait l'air d'avoir le bourdon, et maintenant toi. Cette drôle d'abeille qui avait l'air d'avoir le bourdon, quoi. Très drôle. Je tombe si je passe là. Bah, mais c'est nul comme jeu du coup. Y'a plus aucun intérêt. Ma vie est finie. Bah, non, mais c'est nul. C'est trop. Ah, non, c'est mais non, mais triste, on commence, hein. ça commence à être intéressant et tout. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais... Attends, ils ont tué un personnage là. Quoi? Dans Mario. Dans Mario, ils ont tué un personnage. Ils tuent un protagoniste. Ok. Non, mais ils ont tué un personnage. Moi, je suis fan de Bobomb maintenant. Moi aussi. Le reste, c'est naze. Mario, c'est un traître et Olivia, il est insupportable. Meilleur personnage ever. Bah, mais elle est pas là, faut aller la chercher. Ah oui. Bah, non, bah, je. Ah oui, si, j'ai besoin d'elle. Bah, clique pas. Ah oui, on y va, n'est pas. Oh, ça va, y'a pas eu plus compliqué. Je me suis dit, il va y avoir une cinématique. Oh bah, non, je peux pas utiliser la police. Je. Ouais. Je suis vraiment. Je sais pas trop, là. Bah, espérons qu'il soit pas dead, quoi. Bah, ouais. Soyez parti, tu vois. Ouais, juste parti. Il va se réincarner. Bah, c'est tout, il est perdu, on va le retrouver, tu sais pas. Faut passer en dessous, là-bas. Ah oui! Mais parle-elle. Il est passé où le patron en fait? Ça lui ressemble pas de s'absenter pendant si longtemps. Non mais en haut. Le patron nous a redonné. Pierre, parle pas au bonhomme. Ah bon? Ouais, parce qu'en gros. Ouais, nous c'est que Bobomb. Ah par contre lui t'aurais pu. Oui, j'aurais pu. Moi je chauffe plus personne, j'ai plus de cœur. Non mais de toute façon c'est le meilleur, c'était Bobomb. Mon cœur est brisé. Mais non mais c'est atroce. Franchement j'espère juste que c'est pas vrai quoi. C'est ouais, tellement violent aussi. Quoi. C'est gratuit. C'est. Ah t'as fait tomber un rocher hein. Et tu penses que je peux rentrer dedans du coup? Non, mais je pense que ça a débloqué un truc ailleurs, peut-être. Bon, bref, je ouais. sais pas ce que t'as fait. Bon, tu peux pas monter là-haut. Non, mais c'est pas grave. Ah oui, il y a une porte. Je peux aller au fond. Non, t'es allé au fond. Non, y'a rien. Okay. Mais ouais, je sais pas, c'est bizarre. Je suis chamboulé. Vas-y, tiens, ouais, tu peux pas passer à sa place. Allez, petit, sors de là. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de creuser. Ok, d'accord, vas-y, je l'aide, il s'en fiche. Vas-y, monte. Quoi, je. T'as poussé un truc, peut-être dans cette pièce. Bah, là, il y a un autre truc à pousser, là, je pense. Non, je sais pas alors. Bon, alors, parle pour on t'en fout. Ouais. On cherche Olivia. À la recherche d'Olivia, sinon, on veut pas passer. Aussi. Là, je peux pousser ça aussi, je pense. Non. Ah, si. Parler, je parle quand même. Tu veux savoir pourquoi je danse? La vraie question est plutôt. Qu'est-ce que toi, tu m'attends pour danser, moi, avec moi.
Non, non, non mais... Ah, il y a un trou là. Non mais ça va, c'est pas très loin. Ah mais, oui, oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Vas-y, va à droite, à gauche. À gauche. Là... Peut-être le rocher là. Donc là, ouais, en fait, ouais. Tu sauves les Toby Top là. Non, en fait, c'est juste du meublage. Je pense que ça sert à rien. Okay. Ah si. Ouais. Ah ouais, ça. Tu me fais rien. Et là, alors ça me mène où? Ça me mène là. C'est la antique. Je pense qu'il faut trouver Olivia. Bah ouais. Ah bah là, je l'ai trouvé. Sniff, sniff. Bouhou. Bobby s'est sacrifié pour moi. Et maintenant, il a disparu. J'espère que ça va calmer un peu. Mais pourquoi, pourquoi il a fait ça? Je suis dévastée, je ne vais pas pouvoir continuer. Justement, continue, parce qu'il a pas fait ça pour rien. Sinon, il aurait fait ça pour rien. C'est parce qu'il aurait voulu. Ah, faut retrouver Bobby alors. Faut retrouver un Bobby. Faut retrouver un Bobby de substitution. Il est parti en fumée. J'ai trop de peine pour aller plus loin. Ok, donc faut trouver un Bobby. Trouver soit une, un Bobby, soit je sais pas quoi. Soit, ah non. C'est une taupe qui va nous remplacer. Faut que je trouve la taupe qui va nous accompagner. Tu penses? Ah, ils sont tous partis. Ah oui. Ah. Voilà. Ah, la fille, l'indienne. Indienne. On a tout le gros, on dirait qu'un énorme crochet a explosé là-dehors. On rassemble tous les gravats qui nous y tombent sous la griffe des fois qu'on y trouverait ce que Bowser nous a demandé de chercher. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire exploser un gros rocher? En tout cas, si on la joue fine, on n'aura pas besoin de creuser pendant 2 semaines. Feignasse. Feignasse, ouais. C'est AD2, lol. Ah, faut que t'ailles dehors. Bah oui, oui. Super rêve. Ah bah oui, bah oui. Quand même. Super rêve. Bobby! Ah quoi, c'est son fantôme? Bah oui, il est dead. C'est une blague! Mademoiselle Olivia a l'air toute froissée par ce qui s'est passé. Mais si elle ne se ressaisit pas, mon feu d'artifice final va vite se transformer en pétard mouillé. Mais toi, tu es super amie. S'il y a bien quelqu'un au monde qui sait comment rebondir, c'est toi. Réfléchissons, qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'aider à retrouver le moral? Ah oui, j'ai entendu dire que le rire serait le remède à tout. Peut-être que si tu arrivais à la faire rire... Ah, d'accord. Le masque. Le masque du combat. Ah oui. C'est horrible. Genre, elle est vraiment dead, quoi. C'est affreux. C'est affreux. C'était où? Là, là, à droite. Droite, droite, droite. Là? Oui. Monte à gauche. Gauche. La porte. À gauche. Une autre porte, là. Ouais, à gauche. Punaise! C'est nul. Bon, non, mais je sais pas, c'est pour enfants, quand même, quoi. Donc, c'est pas... Bah ouais, c'est violent, quoi. C'est un peu violent. C'est un peu violent. Alors, objet. Accessoire, objet. Trouvaille, pardon. Tu mets le masque de combat. Peux pas. Bah ouais, mais... Elle. Non, non, ferme. Tu peux pas. Vas-y, on parle lui. Ouais. Ah, ok. Pas être trop hâtif. Ouais, ouais, ouais. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Oh non, mais il est bon de lui avoir mon parvenu. Bah non, il est mort. Bah mais c'est horrible. S'il te plaît, Mario, n'essaie pas de me forcer à rire. Bon, d'accord, c'est drôle. Et bon, Bob est mort. J'ai le cœur un peu plus léger maintenant, merci beaucoup, non, Mario. Non, Bob, il est mort. On s'en fout pas. À un moment, C'est le pire, c'est le pire, pire passage du jeu. Worst. Ouais, c'est le pire jeu du monde. On fera un hommage à Bobby, on lui fera une miniature Windows. Ouais, on fera une miniature hommage à Bobby. Oh là là, c'est le pauvre. Juste... Le pauvre. Ouais. Ah non, mais du coup, t'as de l'empathie pour le perso, quoi. Surtout qu'Olivia, elle est nulle à côté. Puis là, c'est encore plus pathique. Non, mais c'est pas par là qu'il fallait. Oh ! C'est le marchand. Ah bah oui, il peut pas parler. Ah bah, il peut parler à celui de droite, pardon. Ouais, surtout qu'Olivia, t'as pas d'empathie, puis là, c'est encore plus ridicule. Ah bah c'est bon, tu me fais rire, donc j'en fous. Et alors que l'autre, il vient de se sacrifier, quoi. Ouais, ça prend sur son histoire. Amit, il serait venu. Ah ah ! Oh ! Bah, je te. Mais on a plus de temps. C'est pas grave, c'est important. Mais le temps d'argent, c'est pas mal, ça rajoute du temps en début de partie. Ouais.
Et le cherche trésor, bah, ça va faire un petit clignote quand il y a un trésor pas loin. Après, 8000 c'était pas 5000? Non, non, 5000 c'est l'autre. Ce qui manque, c'est le cherche cube. Cherche cube, les cubes et les points d'interrogation sont super durs à trouver. Dépense bien équiper tes accessoires dans Minute Plus. Vas-y, plus. Comment ça fonctionne du coup? Accessoire. Alors, accessoire. Appuie sur le minuteur d'argent. Ok, ça enlève l'autre. Voilà. Et là, tu dois choisir. Je préfère. Non, les... mais non, laisse les taux pour l'instant. Ah bon? Ah bah oui, mais c'est juste pour l'avoir, c'est tout, okay, pour la complétion. Mais taux, c'est plus intéressant, les trésors, tu vois tout le temps. Oui, oui. Non, non, mais non, mais. Minuteur argent. Minuteur argent. Et Toad. Voilà. Donc on peut choisir un dans chaque colonne, sachant qu'ils sont sûrement de plus en plus puissants. Vas-y, retourne à droite. Oui, t'as Olivia, mais trop triste. Et là, sur Boboom, Boboom, il a pu être là. Bah ouais. Vas-y, repars à Boboom. Oh, c'est trop triste. Franchement, ah. Bien, remettons-nous en route, traversons le tunnel pour rejoindre le Serpentin. Parfois, on se sent mieux après avoir pleuré un bon coup, pas vrai? Oh, c'est quoi cette morale? L'espace d'un instant, j'ai eu l'impression que Bobby se tenait encore à nos côtés. C'est horrible. Oh, je sais bien que je me fais des idées. Il ne vit plus dans nos... que dans nos souvenirs désormais, mais t'en fais pas, Bobby, on ne t'oubliera jamais. Ah, vas-y, enfoncez de clous, vous direz rien. Non, mais pauvre Bobby. Bobby, en plus, il a commencé à être drôle, à être intéressant, à avoir une histoire, et en fait, tiens, crève. Ouais. Ok, en bas, en bas, en bas. Vers le haut. Punaise, c'est nul. Bah non, mais c'est méchant, quoi. Et ouais. Du coup, c'est marrant parce que j'en parlais juste avant qu'on changeait pas de compagnon. Ouais, bah voilà, t'aurais mieux fait de te taire. Il y a un taux de coincé là-bas. Il est là-bas par terre. Ah oui. C'est vrai, j'aurais mieux fait de me taire. C'est de ma faute. Ah oh, je suis trop triste. C'est le mécano. Ils vont sifflet, il y a un sifflet, ouais. Piouf, merci, heureusement pour moi que tu étais dans le coin. Mais heureusement pour toi aussi, tu vas pouvoir profiter d'une offre imbattable de taux de moteur. Ah oui, c'est les. Admire donc ces courbes gracieuses de cette botte mobile, nouvelle génération. Laisse-moi te dire que le désert, elle en fait son affaire. Ça ne se suffit pas à te décoiffer, à tenter d'enclencher son bouton sur vous. C'est quoi ce plan pourri? Le moins que tu puisses faire, c'est de te laisser faire attrape à quelques tours gratuitement. Attrape, donc le sifflet. Sifflet de la botte mobile. C'est ouais. Tu n'as qu'à siffler dedans pour faire sauter la botte mobile. Pas bon, donc c'est nul comme. Par contre, ne la sors pas du désert. Bobby, quoi. S'il te plaît, la science... Ah oui, d'accord, tu peux pas l'utiliser dans tout le monde. Oui, bah oui. Qu'est-ce que ta fière allure, j'ai hâte de te voir rouler avec elle et surtout enclencher le turbo avec ZR. D'ailleurs, je suis sûr que tu, avec la vitesse, tu pourras casser des trucs et même ouais, abattir des origami. Tu la roules dessus, je pense. Fais juste attention à ne pas rayer la carrosserie, s'il te plaît. C'est trop bien. Accélère, accélère, accélère. Accélère, accélère. Ah, c'est trop bien. Je conduis trop. Mais non, mais continue. Tu comptes trop mal. Là, you ça pète à gauche, ouais, ouais, voilà. Yeah. C'est trop bien. C'est trop stylé, hein. Donc là, c'est comme le bateau. Je m'en étouffe. C'est l'émotion, c'est Bobby. Non, mais Bobby, franchement, c'est Bobby, ouais, Bobby, non, mais Bobby. Je pense qu'on fera une, une minute de silence à chaque début d'épisode, maintenant. Attends, c'est ça le désert, c'est tout sombre et froid comme ça. Oh là, oh là, là avec tout ce sable, je vais avoir des grains plein les plis, moi. Bobby est mort, ok. Pour te sauver. Donc si tu te calmes pas, on te dégage. Supportable le truc. Hein. Déjà qu'il était roulé avant, maintenant il est encore plus roulé parce que Bobby s'est sacrifié pour le sauver. Pour la sauver. Pour la sauver. Ah oui, ah, c'est ce qu'on voyait. Ah oui, on voyait ça. Ah, open world et tout. Non, c'est grand pas désert world de Calimérie. Allez, on a vu les gens qui s'extasient un peu trop facilement. Qu'est-ce que c'est immense donc un désert, c'est juste un endroit gigantesque. Avec plein de quand même, dormir en son bail et le soleil là-bas. Il est vexé, il boude. Ah non, c'est qu'il est caché par, par, oh non, c'est terrible, voilà. Par le boss. Tu penses? On dirait un anti-soleil, c'est quoi le terme scientifique pour ça? Déjà un trou noir. Bah une éclipse, non. C'est quand même vraiment étrange que ce désert ait un gros trou dans le ciel à la place du soleil. Ça, les forceurs. Hein. Ouais. Oui, c'est bon, hey, oh, il n'y a pas de soleil, il doit y avoir un boss là-bas, on a compris. Voilà. Voilà, on s'occupe du soleil après, voilà, oui. Tout ça pour dire ça après. Donc c'est l'esprit du soleil. Ouais. Ah, ouais, ah, Toad, ouais, tu en peux pas. Sortir. Ouais, mignon, ah, petit, merci, bienvenue dans le grand désert de Calimérie. Il fait une chaleur insupportable tout au long de l'année. Enfin, enfin, sauf là. Je comprends pas ce qui se passe, les plombs ont sauté, c'est ça? Pourquoi il fait aussi si noir? Rendez-vous au laboratoire de détection de la prairie. Oh, c'est stylé, hein, pour découvrir une amélioration. Une nouvelle invention. Ah, les détections de quoi? Le costume de furtivité. Pardon? Pour éviter les ennemis. Tu connais voir ça? Non, 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 non. C'est bon. Il va trop vite. Prends ta gondole mobile. Ta boto mobile. C'est trop bien, là, le désert, c'est stylé. Ouais, c'est pas mal, hein. Avec des pokés. Clap, 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 clap poké. Oui, c'est Pookie dans la chanson, on sait. Oui. Second degré.
Yaa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 a
coup, il te voit pas du tout. C'est marrant. Ouais. Il faut pas que je les frôle, par contre. Non, si t'es trop proche, faut être toi. Bon, c'est mignon. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas si c'est très utile, parce que en vrai, il n'y a pas tant de combats que ça. Ça va, franchement, ça va. Mais c'est pas mal. Ouais. Voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Voilà, c'est en gros, tu continues jusqu'à ton... Et voilà, encore un test qui aboutit sans explosion. Quelle succession de succès. C'est notre corps. Ok, d'accord, donc c'est même pas... Non, non, c'est des prototypes et... Et rappelle-toi, il se peut que malgré tout... Voilà, bah oui, forcément, il y en a qui sont trop forts. Genre, tu vas baliser sur le boss. Mais c'est mignon. Ah, c'est mignon. Il y a le costume de Holly Millard dans Pikmin. Ouais, c'est un petit peu ça. Je vais... Pikmin 4. Ça, déjà, il y a Metroid dedans et il y a pas de Metroid qui sort encore. C'est vrai. Allez, on direction un point de sauvegarde. Ça serait tellement bien un petit Nintendo Direct, genre. Ça ferait tellement plaisir, Mario Kart 9. Genre une bande-annonce un peu plus fournie avec Breath of the Wild 2, peut-être un Mario Kart 9. Ouais. Un truc stylé avec une grosse surprise à la fin. Ah, mais ils ferait plus de Nintendo Direct. C'est vraiment dommage. Des Nintendo pas Direct. Ils gagnent trop d'argent maintenant, donc plus besoin. Ouais, c'est ça. Nintendo Triste. Money. Nintendo Money. Voilà. ouais, bon après... On verra bien. Ouais, on verra bien. Et donc, on peut sauvegarder où par là? Bah au pire tu reviens à tourner dedans. Non mais retourne dedans. Ah, non, tu sauvegardes là. Non, je sauvegarde là puis on va s'arrêter là. Ouais. On reviendra dans le monde 3 dans la prochaine vidéo. On va pleurer Bobby un petit peu hein, parce que c'était mignon. Hommage à Bobby. Faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Game Team. Allez, salut.